Je suis pas du genre à inventer mes connaissances. Si on en parle aux autres, on met l'univers de tout le monde en danger. Puis, lâche pas. Ça avance bien. Quand un monstre a besoin de l'aide du gardien, d'habitude, il me le demande. Attends, être gardien, c'est pas juste s'occuper de l'eau de la source? Oh, que non! Alors, si un monstre est dans l'embarras, c'est moi qui appelle. Puis s'il le fait pas, je m'en rends compte quand même. C'est un don. Ben, prends Morg, le monstre marin. Il voulait pas se faire aider. Mais j'ai su qu'il était dans le trouble parce que j'ai commencé à me sentir comme lui, à parler comme lui. C'est même rendu que je me vois dans le miroir. Avec des tentacules? Comment t'as fait pour deviner? Mais je suis pas... T'as raison, je suis très malade, on va faire ça à l'hôtel de ville. Tu agiras à titre de géographe pour moi. Je veux que tu poursuives ton étude sur nos possibilités d'expansion au Nouveau Monde. Oh que non! Rembourser pourquoi? Les patates porte-bonheur n'existent pas pour vrai. J'ai tout inventé. T'es sérieuse? Je voulais en vendre plus au début. Je te faisais confiance, moi. Attends, Louis! Est-ce que je te dérange? Non. Non, non. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon bras gauche qui veut pas m'écouter? Bah, tu vois? J'aime ça prendre l'autobus en ville. Les gens ont pas peur de me parler. Comme si de rien n'était, je frôle la personne devant moi avec mes mains. À l'heure de pointe, tout le monde est debout, tassé l'un contre l'autre. Je frôle. Ben oui, c'est drôle, hein?